Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, le MAG, on va parler du salon de Genève. Il faudrait remercier Mulder06 pour le générique. Merci à lui. Vous pouvez aller voir sa chaîne, ça serait super cool. On commence ce MAG spécial salon de Genève par le Peugeot Rifter 4x4 Concept. Pour avoir discuté avec les gens sur le salon, et ben Peugeot, s'ils veulent sortir ce Rifter comme il est là, et ben il n'y a pas de problème, ils peuvent le sortir, il va trouver preneur. Les gens ont adoré ce Rifter en 4x4. Je pense qu'il y a un marché à prendre avec ce Ludospace qui est vraiment magnifique. Vous pourrez retrouver le Peugeot Rifter classique que Peugeot a sorti cette année. Il remplace le partenaire Tipeee. Donc je vous le présenterai lors d'un essai. Dès que je peux l'essayer, je l'essaierai. Je vous le présenterai lors d'un essai parce qu'au salon c'est un peu compliqué. Mais là je voulais vous mettre le Rifter. Il est magnifique franchement. Ça donne envie de s'évader avec ce Peugeot Rifter. Allez, pour le deuxième, on passe au monstre de ce salon, le Lamborghini Urus. La mythique marque italienne arrive et a mis en avant ce fabuleux et diablement sportif l'Urus. Un design d'enfer, comment rester insensible avec 650 chevaux sous le capot, le 0 à 100 en 3 secondes 6 et une vitesse de pointe à 308 km/h. Ça donne vraiment le vertige. Les designers n'ont pas été timides sur le design. Quelle merveille ce super SUV d'une longueur de 5,11 m avec les 4 roues directrices. L'extérieur ou intérieur sur Urus est vraiment expressif. Si vous voulez acheter ce Urus, il va falloir attendre fin 2018 pour l'avoir en 2019. On passe maintenant au BMW i8 Roadster. BMW avec ce nouveau i8 Roadster nous fait rêver par son design extérieur et intérieur. Méchamment sportive dans l'âme avec sous son capot un moteur de 374 chevaux. Le 0 à 100 en 4,6 secondes avec son système hybride rechargeable. BMW voulait une voiture futuriste qui se remarque dans les moindres détails. Et cette i8 Roadster est vraiment impressionnante. Un aérodynamisme et un flux d'air optimisé pour vous apporter le meilleur en adrénaline et le plaisir de conduite. C'est vrai qu'il est vraiment magnifique ce Roadster. Moi j'avais pu l'essayer la i8 normale, mais là franchement, il est vraiment magnifique. Avec l'intérieur comme ça en orange, il est vraiment magnifique. C'est vrai que j'adore ce i8. Et pour finir ce MAG, on passe chez Jaguar avec l'E-Spice. Jaguar arrive sur le marché avec l'E-Spice, un SUV 100% électrique. L'architecture de ce SUV ou crossover a été conçue pour l'aérodynamisme accru avec 480 km en tout électrique, avec un moteur de 400 chevaux. Vraiment un super design. On peut retrouver des flux d'air qui passent au niveau du pare-choc avant. Sous la calandre, il y a un flux d'air qui passe sous la calandre et qui vient se projeter au-dessus du capot. Il ne manque pas de charme, ce sera un concurrent direct pour Tesla. Que ce soit intérieur ou extérieur, le travail apporté par les designers est vraiment impressionnant et le look est au rendez-vous. Avec une longueur de 4,70 m, l'habitabilité intérieure est vraiment intéressante, avec 5 vraies places. La cohérence entre l'intérieur et l'extérieur est magnifique. On peut retrouver à l'intérieur deux écrans,
C'est vrai que le design intérieur est vraiment magnifique. Adieu la boîte de vitesse, on retrouve des boutons à la place de la boîte de vitesse. C'est vrai que franchement, le design intérieur est magnifique. On retrouve des matériaux nobles, du carbone, du chrome de partout. Les sièges sont très très confortables. Franchement, les sièges, c'est un plaisir à s'asseoir à l'intérieur. Franchement, pour faire de la route, cet Ispace, il est vraiment fabuleux. Je vous laisse découvrir la fin de la vidéo. Je remercie beaucoup d'avoir visionné ce mag. Si vous voulez vous abonner, vous pouvez vous abonner, j'oblige personne. Si vous voulez partager la vidéo, pareil, idem, j'oblige personne à partager la vidéo. Si vous voulez mettre un petit pouce bleu, eh ben, faites comme vous voulez, ou soit vous mettez un pouce rouge, c'est comme vous voulez. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, tout dépend quand vous regardez la vidéo. Et à bientôt sur ma chaîne. Salut à tous. Thank you.